Bonjour, mon nom est Julien et aujourd'hui je vais vous présenter une technique efficace qui marche pour gâcher vos balles de manière extrêmement rapide. Observez. Cette femme est très intelligente. Hey yo tout le monde, c'est Tipsyron, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Nous sommes de retour pour un troisième épisode sur Alien Isolation. Et pour une fois, je tourne pas à 3h du mat. Du coup, je devais être un peu plus chaud que d'habitude. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Alors, du coup, il faut que je désactive le verrou de sécurité, apparemment. On va go là-dedans. Normalement, je vous ai mis le son du jeu un peu plus fort, hein, par rapport à la dernière fois. Ok, donc c'était purement inutile. Tout ce que je viens de parcourir, là, c'était 100% inutile. NP. Alors, comment ça marche, ce truc? Ah si, je l'ai déjà fait. C'est La merde, c'est quoi? C'est ça. Vite, E à l'envers. Et là, c'est ça. Hop là. Et où est les mecs? Alors, où on est là? Merde. Utilitaire. C'est vide? What the fuck, c'est vide? Tout ceci est vide. Hop là, on prend tout. Putain, on peut pas. On peut pas, genre. Juste couper l'alarme parce que c'est insupportable. Ah voilà, nice. Un clavier de type Razer, hein, comme vous pouvez le voir. Oh, what the fuck. Oula. Oh, fuck! Oh. Ouais, cache-toi. Cache-toi et genre, respire plus. Oh mon dieu. Ne respire plus. Sa race. Ok, donc je suis à peu près l'homme le plus chanceux du monde. Il y a autant de chances qu'il mette sa queue entre mes jambes que de gagner 3 fois d'affilée au loto. Je suis la personne la plus chanceuse du monde. Je peux faire le malin ou pas, ou genre? Genre il est toujours là ou je peux faire le malin? On va partir du principe qu'il est toujours là. Hein. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Oh mon dieu. Ok, alors là, on entre vraiment dans le jeu là. Là, c'est parti là. Ça marche comment ça? Ok. C'est passionnant. Oh, il m'a fait peur ce con. Il est arrivé par là? Ouais. Ils peuvent vraiment arriver de partout en plus, hein. Ok, on va partir du principe qu'il est pas là en fait, hein. Sinon, je resterai sous mon bureau pendant une demi-heure et je ferai rien. Hop là, ça dégage. Ok. C'est quoi ça? C'est un ascenseur? Merde, il faut que j'aille par où là? Faut que j'entende complètement en arrière en fait. Pirater l'ascenseur. C'est là? Ah, je comprends pas. Arrêtez avec votre musique flippante, je sais qu'il est plus là. Comment on fait pour changer d'étage? R. Salle de machin. Ok. Ok, donc faut que je retourne. Ah merde, faut que je retourne où il y avait tous les gars en fait. Ah, mais j'ai un flingue maintenant. Bah les couilles. Bah les couilles. Oh merde. J'avais oublié qu'il y avait un alien tueur
dans les parages. Mea culpa. Ma faute. Ouais, bah nice, on a débloqué un petit raccourci. Ah, je vais plus pouvoir courir partout et faire le fou maintenant. Ah, c'est chiant. Enfin, après, c'est un peu le principe du jeu, quoi. Je dis c'est chiant, mais c'est un peu le but du jeu. Oh, c'est beau. C'est beau cette station fantôme. C'est encore un étage au-dessus. Ça a commencé à devenir bien flippant, hein, là. Ah merde, ils ont fermé en plus. Ah, c'est des gamins. Ça, pour l'instant, ils sont pas... Merde! Oh, je misclic! J'allais dire, ils sont pas trop durs à déverrouiller, je misclic comme une merde. Hop là. Sont encore là ou pas? Allez, on n'est pas un homme prudent, on va voir ce qui se passe. Oh mon dieu, ils se font massacrer. Oui, il les a massacrés. Oh merde! Oh! Salut! Putain! C'est chaud, mon gars! Oh! Il m'a vu de l'autre bout de la salle! Oh putain! Bon, ma première mort par l'alien, les gars! Oh non, faut pas tout que je refasse là, par contre, c'est sérieux? Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Oh, il y a une sauvegarde automatique. Je vous aime. Non? Je vous aime pas, je vous encule. Il n'y a pas de sauvegarde automatique. Oh, fais chier. Mais regardez ça, regardez ça! Cette femme doit jouer au loto. Absolument. Ok. On y est. Cette fois, on va éviter de faire le malin et on va très vite aller se cacher. Ah, mais il est. Il est 1v5, hein. Cet alien est au moins aussi fort que. John On peut se cacher là? Mais on peut pas se cacher là. Il va me voir, il va m'entendre. Mon flingue, il s'en bat les couilles, clairement. À mon avis, il y a juste le lance-flamme ou des trucs comme ça qui peuvent l'arrêter, mais... Oh merde! Je t'en supplie. Vas-y, j'arrête de bouger, j'arrête de bouger. Oh putain, en plus, il est vif, hein. Il est vif, le salaud, hein. Vous avez vu comment il a rushé toute la salle, là? Putain, c'est pas du amnésia avec des zombies autistes qui marchent tout doucement là. Il est vraiment vénère là, il vient de les 1v5. Ah, je suis con, il y a des placards là-bas pour se cacher, je crois. Mais dégage! Oui, dégage. Oh putain. Ce casque est tellement horrible. J'entends ses pas, genre j'ai l'impression d'être dedans, j'entends ses pas sous moi. Oh mon dieu. Est-ce que ce serait pas derrière moi plutôt? C'est tellement atroce avec ce casque. Oh là 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 là. Est-ce qu'on tente les poteaux? Ah, c'est pas lui là. On va espérer qu'il se soit barré.
Tellement chaud. Merde, c'est pas lui là-haut? Ah, j'ai des hallucinations. Mais c'est un mec ça! What the fuck? Mais what? En fait, c'est lui! John C. Le mec a survécu à l'attaque de l'alien! Genre c'est le poteau de l'alien, il était à côté, tranquille. C'est lui John Cena, hein. Oh merde. Oh! Oh mon dieu. Oh mon dieu, je crie comme une fiotte, les mecs. Ah! Putain, le salaud. Et j'ai encore oublié de sauvegarder. Merde. Merde. Le misclic. Allez, on tente. The fuck, il est où? Je l'entends, mais je le vois pas. Non, là, il peut sortir par là, là. Ah, c'est horrible. En fait, je sais pourquoi il est sorti avant, parce que... Enfin, ça vous semble peut-être logique, mais parce que j'ai tiré sur le gars. Tout bêtement, du coup, il m'a entendu, et voilà. Et il est super réactif, en fait. Oh, merde, merde, merde. Non! Oh, merde, il est juste là. Voilà, je suis bien dans mon petit coin, là. Je bouge plus. Je ne bouge plus. What the fuck? Oh, il est vénère. Oh, il est vénère. Normalement, j'ai mis beaucoup plus fort. Vous devrez bien entendre les sons du jeu. Hein. Moi, je peux vous dire que... Ça envoie du lourd avec ce casque. Bon, du coup, il est mort, John Cena, là? Il a pas vraiment survécu, en fait. Ça devait être un bug. Et à cause de ce bug, je suis mort. Hein? Est-ce que c'est légit, ça? Non. Ouais, par contre, on va faire ça très vite. Allez, vite, on dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Oh, on gagne des succès. Allez, ça dégage. Très vite. Très très vite. Nice. Nice. Je rappelle qu'on est en difficulté expert. C'est pour ça que... C'est pas que je cherche à me justifier parce que je fais de la merde depuis le début, tu vois. Non, je rappelle juste, je pose les bases, tu vois. Je rappelle pourquoi je... Moi, je me fais baiser depuis le début, quoi, voilà. Tous les Ok. visiteurs doivent s'enregistrer à Oh, maintenant, les l'arrivée. gens, je les tue, hein. Ah, je m'en fous, je vois des gens, je tire. Oula. Lui, sauf que lui, c'est pas un gens, lui. Toi, t'es pas un gens, toi. Mon nom est Ripley, Amanda Ripley. J'ai besoin de votre aide. Ça, veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très non, rapidement. non, 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 ça se passe pas comme Que ça. vos Simpsons soient en perte de vitesse. Ça, je sais très bien que c'est les yinches. Eux, c'est des saloperies de synthétique. J'ai absolument pas confiance en eux. Je sais plus comment ils s'appellent. Les... Ah, je sais plus comment ils s'appellent là. Bref. Soudeur ionique. On n'a pas... Il y en a plein en plus, hein. Est-ce qu'ils sont déjà méchants ou ils ont pas l'air? Est-ce que t'es méchant, toi? Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Ah, t'es s'agit d'une gentil. zone interdite. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. Allez, dégage. Je Ah vous donne oui. des conseils. Mais fais pas le fou. Out of my way, connard. Pour eux, tout se passe bien, apparemment. Hein. C'est pas ce que j'ai constaté pour l'instant. Un C'est une sorte détecteur. de Oh détecteur. yes, un détecteur de mouvement. Il a été trafiqué. Oh, ça nous met bien ça. Oh, ça nous met bien. Et ça, apparemment, en difficulté cauchemar, il n'y a pas. Ou alors, il n'y a presque pas. Y a-t-il un problème?
Non, il n'y a aucun problème, sort, dégage. En revanche, je crois qu'en difficulté expert, il bug le truc. Il a des gros bugs. Donc ça va être intéressant et surtout ça va être réaliste. Et ce qui est réaliste, c'est cool. Merde. Inventaire plein. Est-ce qu'on peut pas fabriquer des trucs Pack. Pack. Ça, je peux pas. On va fabriquer des trucs pour libérer de la place. Hop là. Parfait. Un pack de recharge. What? Bah, il est actif là, le haut-parleur, on l'entend. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bref, ça pour l'instant ça sert à rien. J'ai l'impression que ça sert à rien pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Re tout le monde après un petit cut. Quand je dis petit cut, c'est une journée. Hein. Un petit cut, mais de une journée. Tiens, c'est marrant ça. On peut se mettre en position fœtale là-dedans. Ah, c'est pas mal ça, la position fœtale. Dans un jeu comme ça, c'est toujours utile une position fœtale. Bon, du coup, on a notre petit capteur de mouvement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tiens, accès à la porte. Hop là. C'est ça qu'il faut faire, non? Et là, on est bon. Non, c'est pas cette porte. Ah, c'est celle-là. Ok, on va pouvoir avancer. Ah oui, mais donc en fait, il n'y a rien là-dedans, genre. Ça m'avance absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oula, pourquoi on a de la fumée là? Ah, j'ai désactivé le purificateur d'air. Ah non, c'est des chiens. Du coup, il y a de la fumée, on voit plus grand-chose. On va reprendre le revolver. Hein. Dans le doute. Salut toi. Bon, par où il faut aller? Peut-être que là aussi je peux ouvrir une porte. Avec ça. Non. À moins. En changeant de salle peut-être? Non. C'est la même chose. Sélectionner. Ah merde. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien là-dessus. Désactivation de la porte. Et bah voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, on avance. On va sauvegarder gentiment. J'ai assez douillé comme ça. Au niveau des sauvegardes. Ok, alors ça on peut ouvrir. Voilà une chose de faite. Qu'est-ce que c'est que ça? Stériliseur. Les points situés au bord de l'écran des détecteurs indiquent mon objectif. C'est le tri qui est sur le côté là? Il grésille un peu le détecteur. Hein. Il marche pas à la perfection. Enfin, c'est la pire idée du monde d'allumer des radios dans le jeu.
Oh, nice. Un émetteur de son. Oh, ça peut être tellement bien, ça. Nice, je peux en faire un. Voire même plusieurs, je pense. Non, je peux en faire qu'un. Ah, ça, c'est tellement bon. Je pense que ça attire les humains ou alors l'alien vers un endroit écarté de nous. Ça peut être super pratique. Allez, on va pirater ça. What, c'est quoi ça? Ah, j'ai jamais eu ça encore. Lol. C'est pas mal. C'est déjà un peu plus chaud que l'autre. Pile de la lampe torche. Ah, c'est bon ça. Oh, je suis vraiment obligé d'aller dans ce conduit là? Parce que ça me plaît pas trop. Ouais, apparemment je suis obligé. Oh, merde. Ils vont se vénérer. Ah ouais? Déçu. Ok, ils m'ont dit, ils m'ont identifié. Oh, il y a des mecs là derrière. Je sens qu'ils vont pas tarder à se vénérer. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que ça va être la merde là bientôt. Allez, on va passer par là. Easy game. Oh, il va se vénère. Ça, c'était tellement évident. Ouf. Ils ont de la force, les cons. Oh putain. Ils sont pas qu'un peu vénères, hein. Bien sûr, je l'aide pas, hein. Faut savoir être un schlag si on veut survivre dans ce genre de milieu. Et ça, apparemment, mon personnage, il sait très bien faire. Hein. Donc les humains, ils ont pas l'air... la plupart ont l'air absolument pas solidaires. Et essayent de tuer les autres. Donc du coup, vaut mieux pas essayer d'approcher les... Oh merde, il y a des caméras là. Éviter la détection. Ok. Je pense que c'est la pire idée du monde d'aller par là. Non, même pas. Faut aller par là. Ok, on va rester gentiment accroupi. Hein. Nice, on a des munitions. Ok, on n'a pas grand chose là-dessus. Je me demande si je peux me relever ou pas. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah non, ils sont là. Merde, comment je vais faire? Ils sont juste là. Merde, ils sont juste là aussi. Oh, c'est chaud. Faudrait juste que je désactive les caméras, en fait. Désactiver la surveillance, nickel. Vous savez quoi, on va même pas les approcher, parce qu'apparemment, les balles, ils s'en foutent complètement. Et relève-toi. Mais what? Mais moi, elle se met en PLS. Ah, c'est quand j'approche d'une table, elle se met en PLS en dessous. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal pour se cacher. Bon, par contre, on va se tirer de là gentiment. On a vu la difficulté du jeu, du coup, on va pas faire le malin. Hop là. On peut passer... Et là, il y avait un robot dans l'ascenseur. Et je suis mal. Allez, let's go. On va vers le relais de communication. Putain, on dirait Kylo Ren dans Star Wars, quoi. Je suis pas... Content. Accès réservé aux employés de Sixon.
Excusez-moi. Contactez Verlaine et le Torrens. Verlaine, le poète. MDR. Où est-ce qu'on va par là? Ok, on a du stuff. J'ai tout le temps l'inventaire plein dans ce jeu, c'est horrible. Hop là. Droit d'admin requis. Que dalle, droit d'admin requis. Pas pour un hacker. Je suis Diane Verlaine, capitaine du Torrens. Ok, donc c'est elle, Verlaine. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Elle est vide, ta boîte noire. Attends, mais ça c'est... Là, ils viennent de le publier après que j'ai atterri dans la station. Là, ils parlent de l'explosion qu'il y a eu au début du jeu. Ah, de la communication est HS. Ah, c'est pas cool ça. Ah, c'est pas cool du tout ça. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Image de la caméra. Ok, tout ça, ça dégage. Et purification de l'air, on va le virer aussi. Histoire d'être moins détectable. Avec la fumée. Enfin quoi, je sais pas si... Ça reste des robots, donc peut-être que la fumée, ils s'en foutent. C'est quoi que je viens de faire en fait? J'ai même pas regardé. Oh putain, faut que je trouve un autre terminal. La blague, j'ai fait tout ça pour rien. J'espère qu'il n'y a pas de robot par là. Ouais. Lâche-moi, wesh. Wesh, lâche-moi. Laisse-moi, connard. Oh merde. Laisse-moi, wesh. Oh merde, je vais aller me cacher en haut. Oh, je vais me faire baiser. Où est-ce qu'il y avait une cachette déjà? Là, il y avait une cachette. Allez vite. Merde, ils arrivent. Lise, laissez-moi tranquille. Non. Merde. Non, tu veux pas m'aider, non? Oh, il ouvre pas! Oh, j'ai tellement de chance s'il se barre. Je vous rappelle que je suis la personne la plus chanceuse de la Terre. Succès déverrouillé, pas une égratignure, c'est quoi ça? S'échapper d'un combat avec un androïde sans subir de dégâts. Et ouais, les mecs, moi je suis comme ça. Franchement, j'ai tellement de chance depuis le début du jeu, c'est incroyable. J'ai tellement de chance. Ils étaient tous les deux devant, quoi. Ok, du coup, on va éviter de faire le malin. Ils se sont bien barrés au moins. Ouais, c'est bon, ils sont en bas. Ok, ils sont descendus. Ouf, c'était chaud. Ah, faut que j'en charge balle par balle. Lol, à la fois c'est bien fait, à la fois c'est insupportable. Je peux recharger une seule douille. Pas mal. Par contre, ça va tellement être la vie, je pense, le capteur de mouvement. J'ai l'impression qu'il fait du bruit, hein. Par contre, est-ce que c'est réaliste au point qu'ils l'entendent? Je pense qu'il y a moyen. Hein. Ok, du coup, est-ce que je dois retourner en arrière ou est-ce que je dois essayer d'avancer? Là, ça m'a l'air chaud, hein. Ah, on a un petit truc là. Je sais pas, il y a quelque chose à faire. Oh merde. Merde, il m'a entendu. On se tire. Droite, gauche, droite. V1.
Vu la chance que j'ai, ça doit être à droite. Ça n'est pas à droite. Très bien. Le malaise. Ah d'accord, donc en fait c'est le conduit complètement inutile. C'est le conduit 100% inutile quoi, c'est pour passer d'un côté à l'autre. Ok. Ok, vous savez quoi, on va essayer d'utiliser le bait. Maintenir pour placer. Clic droit, viser. Ah genre je peux le poser sur ma position, genre allez mec venez je suis là. Oh, c'est génial. Ça ne sert à rien mais c'est génial. Oh, ça sert à rien. Non, c'est du suicide quoi en fait. Putain je sais pas par où il faut aller. Bon, apparemment il n'a pas entendu. Oh merde. Ok, vous savez quoi? Ouais, lance-le bien loin. Il fait pas de bruit. Il fait pas de bruit ou quoi? Ah si, c'est bon, ils y vont. Oh putain, c'est pratique ces trucs. Ah, c'est tellement pratique. Allez, let's go. Par contre, je sais pas si c'est par là qu'il fallait aller. On est... Alors, je sais pas par où il faut aller. Mais bon, c'est déjà un début. Oh merde, c'est un cul-de-sac. Merde, je crois qu'il fallait aller de l'autre côté. Ah, je commence à plus avoir de chance là, j'ai l'impression. Je suis allé à gauche, c'était à droite. J'espère qu'ils sont toujours sur le truc. Merde. Ok, ils y sont plus. On va dire que ça passe. Oh non, ça passe pas. Merde. Et vous savez quoi, on va faire la même, mais de l'autre côté du coup. Et heureusement que j'en ai fabriqué pas mal. Hein. Sinon, je serais pas bien là. Maintenant, tu vas pas venir par là. Si, merde. Ah non, c'est bon, il fait le tour. Ah non, il l'a pas entendu. On tente ou pas? Heureusement qu'il a pas le wifi, cet enfant. Ouais. Mets-toi en PLS sous la table. Ah, oh, c'est tellement pratique la PLS. À partir de maintenant, j'appellerai cette option PLS, position latérale de sécurité. C'est tellement pratique, je peux mettre sous les tables. Ok, on tente. Oh yes, je suis passé. Yes. Yes, yes, yes. Ok, maintenant on va par où? Monitoring hall. Ça doit être quelque part par là. Merde, là aussi il y en a. Ah d'accord, donc je découvre la map petit à petit, en avançant. Un placard à position fœtale là. Je vais me faire cramer. Ok, on est bon. Oui, bah moi aussi, écoute. C'est bien gentil, mais t'es pas le seul. Et on va dire que c'est par là. Attendez, attendez, il y a un truc par là. Ah ouais, bah y a un cadavre déjà. C'est un robot. Oh merde! Oh enculé! Putain, j'ai tellement paniqué! Sale bête! Oh merde alors! C'est des FDP les développeurs de jeux! Je m'y attendais tellement pas! Je vais peut-être monter un peu le son. Hein.
Hop là, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et ça, on met. Ah, c'est tellement pratique par contre ces trucs. Je peux désactiver tout ce qui leur permet de me détecter. Putain, c'est super bien fait en tout cas tout ça. Il m'a fait le coup du lapin carrément. Il m'a. Oh la vache! Yep. Ils sont habillés en noir, du coup tu les vois pas. Ils sont noirs dans le noir. Oh non, je suis revenu là, c'est une blague. Oh mon gars. Ok, cette fois on va faire gaffe. Parce que les noirs dans le noir là, ils sont bien gentils, mais ils sont pas très voyants. Ok, normalement j'ai activé tous les accès aux portes. Donc je devrais pouvoir passer un peu partout. Oh merde! Oh merde, 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 merde. Run, nigga, run, run! Run, nigga! Oh, je vais le brain. Et ouais, y a pas un truc pour se cacher? Oh, je l'ai juke! Oh, 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 c'était beau. Oh là 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 là. Je suis trop chaud. Oui, je te reçois! Je suis là! Ah, y a un robot qui va arriver dans mon dos, c'est pas possible. Entendu. Samuel, écoutez-moi. Vous êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible. C'est contraire à toute la programmation de synthèse primaire. Monsieur Samuel, je suppose que Sixon a une conception différente ouais. Des synthétiques. Crois-moi. Une créature énorme et meurtrière. Une sale bête. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Ah, ça c'est con. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer, il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les blessures. La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh, merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Bon. Du coup, je vais devoir essayer de m'échapper. Et ce sera pour la prochaine fois, les amis. Je vais vous laisser ici. Petite sauvegarde. Et on se quitte. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, il s'est passé un peu plus de choses qu'avant. Là, on commence vraiment à rentrer dans le jeu. C'est cool. C'était TipsIron. D'ici le prochain épisode, tenez-vous bien, gardez la pêche. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.